L'occupation où Jerri sous les vertes crobes. J'étais à la fin juin par un vendredi que avions allemands bombardé Jerri. Les premières bombes, j'étais sur la roque et bien vite auprès la ville on sentit le choc. Les samedis et le dimanche, eut l'âme et nous entendit souvent sonner la sirène. Et bonheur de lundi, le 1er juillet, un avion allemand laissait courir un paquet. Il fut ramassé et porté à Monsieur Bailly, qui bien vite les états rassemblit. Lui dit, messieurs, si l'île n'est pas rendue promptement, nous nommons d'un bain fort bombardement. Il fut bien dur d'avoir à décider, mais pour éviter le massacre, fallait accepter. L'Angleterre ne pouvait pas ne porter secours où l'attendit l'invasion jour en jour. Lors le lendemain, l'ennemi arrivé et sur l'aéroport East Birch. Je m'en vais raccrocher. Lors le lendemain, l'ennemi arrivé et sur l'aéroport East Birch. Dans la cité, nous vivions en ville à fêter qu'un à nos jeunes filles. Le prochain c'est, sur la gazette à Paris, les ordres qu'il fallait obéir. Fallait pas sortir avec ses autos ni écouter de nouvelles sur ses radios. Donc, pour chaque camp, notre petit Jerri restait sous la botte de l'ennemi. Il fut pour tout un dur épreuve, mais il fallait quand même se mettre à l'œuvre. Il restait bandé, queues et patates, fallait abandonner ses belles tomates. Innovant, zord, chi cultivait et chi piantait dans l'air nouvel. Pas de queues et tomates comme autrement, mais de la veine, du bien et du froment, des pays, des légumes, potant patates, et y'en eut qui manchit à garder des phoques. Nos rations devenaient plus et plus maigres, chic fait du vin comme du vinaigre. Sur la table, pas de bio gigot, pas de chance mieux de l'or ou du bichot. De temps en temps, il y avait de l'extra. Margarine, macaroni ou chocolat. Du camembert qui fait pourri. Et peut-être de l'huile pour fricocher. Notre pain qui fait mêlé de l'avenne. Il y en avait 4 à 6 livres la semaine. Pas de l'or à trouver dans le salat. Que you t'imuchais un cochon ou deux. Même le paysan t'est baïcor, pas de mulet, ni ya, ni vra, ni bar. Zolmer, y'en avait pas tape tall, mais de vert crop, il mangeait pas. Des champs personnes allaient en Longchamp, puis les Hesses, jusqu'à la valaison. Et bien d'autres, t'allais et Monchot, et Crop, et Béni, ou Evico. Des autres, signés par Gossec, et Schumacher, Nacfus, Caspar, et Von Helder, même par Peltz, sous Salty Morte, qui n'avait pas l'esprit de bonté. Nos bois-boisies furent abattus, car de Cherbon, il n'y en avait plus. Si on venait de France, j'étais pas des tas et j'étais de la santé qui ne brûlait pas. De nos belles fermes, il y en eut de ruinées, nos maisons abattues et brûlées. Des tranchées creusées dans les quios, j'étais assez pour vous tourner faux.
nous gauzet, te pien de menti, depuis les lundi jusqu'à samedi. Chi honte pour le poste et la chronique, j'avais rajouté si véridique. Pour travailler sur fort et fortification, y'en eut domné de toutes les notions. Espagnol, belge, russe et polonais, algérien, hollandais et français. Nos radios furent confisquées, mais y'en eut des centaines de musiques, et quand les hommes sont rencontrés, neuf chiens qui sont disaient. Y a-t-il des nouvelles à mater? Oui, Stalingrad est prêt par Staline. Tripoli est prêt par Zongue. Les Américains capuchent les Japonais. L'Italie demande un armistice. Il part des grandes émeutes en Autriche. 1000 avions sur haute colonne. Les Russes sont entrés en Pologne. Il y en avait Juillet, qui était Jèrriais, et avec l'homme nous associés. Nous ont trouvés parmi grands et petits, et même parmi la plus haute lignée. Les nouvelles de plus en plus nous réjouissaient. Les Russes entrés en Roumanie. En Italie, Rome prend Paul Zongue le prochain matin. L'invasion en Normandie. Les aïeux allaient de succès en succès. Bayeux, Cherbourg, Avranches et Falaise, Rennes, Saint-Malo, Les Monts, Paris et Calais nous ont disait « L'affaire est prête ». Mais il fallut à quoi passer le plus de l'hiver. Les gaz de Pichic-Mer avaient menti. De l'électricité, il n'y en eut plus du mec janvier. De charbon fallait bien s'en passer. Les pains vint presque à nous manquer, mais un jour, les Vega nous arrivaient avec des pâtés de viande, biscuits et chocolat de la Nouvelle-Zélande et du Canada. Les Allemands bientôt lui rendaient partout, en Italie, Hollande, Danemark, et Sia, et devant bien des jours, je suis nocturne de telles joyeuses réjouissances, nous n'avions jamais vu. Nous ne voyions plus les verres du nazi, mais partout notre bon vieille coquille. Elle swastika, nous ne la voyions pas, car notre vieille pavillon était au haut du mât.